Prendre le problème à la racine, c'est l'idée de cette coopération entre Tinca, ville du nord-ouest de la Roumanie, et le Grand Lyon. À la clé, le financement pour l'amélioration de l'habitat sur place et la construction d'un bâtiment de 300 mètres carrés avec laverie, crèche et sanitaire. L'enjeu du projet, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer la situation à Tinca, d'où viennent un grand nombre de Roms qui viennent à Lyon, d'améliorer la situation là-bas, de sorte à avoir moins de raisons de venir sur Lyon. Coût total de l'opération, 300 000 euros sur 3 ans, financé par le Grand Lyon. Une réponse concrète à la problématique des Roms en France et qui pourrait donner des idées à d'autres grandes villes. Lyon, d'une certaine manière, lance un mouvement que j'espère sera suivi par d'autres collectivités françaises. Tout le monde est d'accord sur le fait que la réponse à la question Rome, elle se situe là-bas, chez eux, en Roumanie. D'ailleurs, eux-mêmes disent qu'ils préfèrent habiter chez eux, en Roumanie. C'est bien là qu'ils se sentent chez eux. Et donc, l'idée, c'est que ce soit les collectivités locales qui construisent avec les maires roumains qui ont cette question réglée sur leur commune. Dans le Grand Lyon, il serait 1500 Roms originaires de Roumanie à vivre dans des squats ou dans des camps.